j'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découvert. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidé par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du Vieux-Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. Bonne nouvelle pour les garçons et les filles amateurs de gymnastique à Sherbrooke. Dès septembre, un tout nouveau programme de sport-études gymnastique sera implanté à l'école primaire du Carillon. Alors, le nouveau programme sport-études nous permet d'avoir des enfants qui vont finir l'école. On va remplacer le service de garde par un cours de gymnastique tout de suite après l'école. Donc, les enfants sont transportés de l'école Carillon jusqu'au gymnase. Et ils vont faire à peu près 2 heures par soir de gymnastique toute la semaine. On a 2 programmes. Donc, pour ceux qui ont fait moins de gymnastique auparavant, on a un programme qui totalise 10 heures par semaine, mais c'est 2 heures par soir, du lundi au vendredi. Et ceux qui sont un petit peu plus intenses et qui ont le goût d'en faire un petit peu plus, on a 3 heures par soir, qui totalise un 15 heures semaine. Alors, on a eu une grande aide de la part de Rémi Fontaine qui a organisé depuis plusieurs années ce même programme-là, mais au niveau du secondaire. Rémi, sachant qu'on voulait développer ce programme-là côté du primaire, est venu nous soutenir dans toutes les réunions de A à Z pour présenter à la commission scolaire nos intentions. Est-ce que les jeunes doivent avoir atteint un niveau particulier en gymnastique pour avoir accès au programme de sport-études à l'École du Carillon? Non, pas du tout. Alors, les enfants qui ont l'intérêt, je dis souvent, ceux qui sont amoureux de leur maillot, je les prends. Alors, s'ils ont l'intérêt puis commencent à faire des pirouettes partout, ils montent les pieds sur les murs à la maison, le gymnase, c'est l'endroit parfait pour venir se défouler, faire ce genre d'activité-là. Parlez-nous des bénéfices qu'on peut observer chez les jeunes qui font du sport-études gymnastique au primaire. Bien, tout d'abord, il y a définitivement le côté qu'ils viennent à chaque jour. Donc, ils s'améliorent beaucoup plus en venant chaque jour parce qu'ils retiennent, quand ils sont jeunes de même, ils retiennent alors ce qu'ils ont appris la journée d'avant. Puis ça se voit vraiment au quotidien. Pour ce qui est des liens entre eux, je veux dire, ils sont ensemble en classe, ensuite, ils viennent ensemble en autobus ici, ils repartent à la même heure. Donc, ça crée vraiment un beau lien, donc une belle dynamique de groupe. Puis au niveau scolaire, je trouve que ça leur fait développer une belle discipline, organisation, être capable de « OK, j'arrive à la maison, il faut que je fasse mes devoirs. Ça, je vais pouvoir me coucher tôt, puis je vais être en forme pour l'école et mon entraînement demain. » Et on a encore 4 places dans chacun des groupes de disponibles parce que c'est des groupes entre 20 et 24. Si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent directement venir nous voir au club. On les inscrit et on donne leurs coordonnées à l'école Carillon. Un reportage d'Élisabeth Nadeau pour Esprit Plus.com.